Salut à tous, c'est Bizbiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Rubinho pour le débrief du match entre la Juventus Turin et l'Ajax Amsterdam. Donc on a hésité entre les deux. Je crois qu'on a vraiment très bien choisi. Hein, parce que voilà, on va parler bien sûr hein, de ce match qui a été exceptionnel avec une équipe vraiment de l'Ajax. Hein, pour moi, vraiment qui ne me surprend plus. Hein, vraiment avec des joueurs de qualité hors normes. Donc on va parler de tout ça. Vous connaissez hein, bien sûr nos débriefs. On va déjà parler du match après. On notera l'équipe hein, de la Juventus qui a été bien décevante ce soir, on va parler de tout ça. Donc déjà, pour commencer, toi, à chaud, qu'est-ce que t'en as pensé tout simplement de cette rencontre, hein, de ce quart de finale retour hein, de Champions League? La victoire pour l'Ajax 2-1 avec donc, l'élimination de la Juventus après avoir sorti le Real Madrid et comme sur les trois autres prestations, donc les deux face au Real et le match aller face à la Juve, c'est amplement mérité. Il n'y a rien à dire. Et aujourd'hui, encore une fois, ils auraient dû même s'imposer peut-être même plus que 2-1. Franchement, ils sont largement supérieurs à la Juventus, déjà sur le plan technique. Ça s'est vu, hein, ils ont pu vraiment conserver beaucoup le ballon en général au milieu de terrain et la Juventus a été très très décevante parce que je trouve vraiment qu'ils essaient tout c'est Ronaldo quoi, c'est le sauveur. Mais il n'y a plus qu'à marquer dans les éliminations directes voilà, hein, cette année. C'est un peu compliqué et sur le plan technique aussi, ils sont bien en dessous des joueurs de l'Ajax qui arrivent à créer beaucoup de choses. Du côté de Turin, il manque quand même beaucoup de joueurs techniques au milieu de terrain pour créer des occasions. Aujourd'hui, mis à part les occasions sur des centres ou des corners, la Juventus elle a été quasiment inexistante. Et franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est encore une fois amplement mérité comme face au Real Madrid. Voilà. Si on compare hein, le match de la Juve contre l'Atlético il y a quelques semaines et celui de ce soir, c'est né en total peut-être. Hein, voilà, tout simplement que l'adversaire était trop fort, tout simplement pour l'équipe de la Juventus. N'oubliez pas qu'on a fait hier soir, les gars, vidéo prono. Et nous deux, hein, personne n'avait parié quand même la victoire de la Juventus chez eux. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires. Ils ont dit ouais, vous êtes fous, Nani, la Juve va s'imposer, il y a CR7 et tout. Vous avez vu, hein, les gars, l'Ajax a quand même remporté le match. Donc voilà, pour terminer hein, sur cette première partie de débrief, on va pas en parler pendant 107 ans, parce que pour moi, l'Ajax, c'est amplement mérité. T'as dit qu'ils auraient pu en mettre plus. Je pense à vraiment les actions chaudes. Il n'y aurait pas eu Sonzi, voilà, le gardien de la Juventus, qui a fait quand même de très belles parades. Hein. Je pense qu'il aurait pu avoir 6-7 hein, quand même qu'ils auraient pu prendre, parce que des actions, ils faisaient des passes à 10 quand même dans la surface de réparation. J'ai jamais vu ça hein, quand même. Voilà, surtout la Juventus, c'est réputé pour avoir une défense en fer. Ce soir, c'était le néant total. Ils sont éliminés et c'est amplement mérité. C'est vraiment dommage parce que moi, je voulais une finale. Voilà, Juventus, voilà, Barça, cette année. Bah, peut-être le Barça, voilà, bon, ils passent un tour, bien sûr, mais la Juventus, c'est fini pour eux. Donc voilà, les gars, pour finir hein, sur ce débrief hein, du match, amplement mérité. Plus d'occasions hein, côté Ajax Amsterdam. C'est ils dominaient. Hein, c'était la Juventus qui jouait en contre. Hein, qui aurait prédit ça même avant le match? Bon, rien à dire, les gars. Victoire 100% méritée pour cette équipe hollandaise. Donc maintenant, on va parler des joueurs parce qu'il y en a qui ont été catastrophiques, qui n'ont pas le niveau tout simplement de la Ligue des Champions. Hein. Donc on va commencer déjà avec le gardien Snodzi, hein, celui qui remplace, on peut dire Buffon. Hein. Donc moi je mets une note de 6, hein, donc satisfaisant. C'est vrai qu'il a pris 2 buts, mais il a quand même, on peut dire, hein, sauvé les meubles. Hein. Tu te souviens surtout en deuxième mi-temps, parce que là l'Ajax a quand même envoyé du lourd en deuxième. En première c'était plus quand même équilibré, mais en deuxième hein, ils ont eu vraiment beaucoup d'occasions très chaudes. Et le gardien polonais a fait vraiment des arrêts décisifs. Hein. Ça aurait pu être plié bien avant, on peut dire, le but hein, de Delight en fin de match. Hein. Donc pour moi, je mets 6, hein, satisfaisant, voilà, grâce à ces parades qu'il a fait ce soir. Mais moi, c'est 7, parce que moi, je pense que le match, comme tu l'as dit, il aurait pu être plié bien avant, parce qu'il a retardé l'échéance quand même. Ah, oui. Il a eu deux grosses parades aux alentours de la 60e, notamment face à Ziyech, face à face, avec la main gauche ferme. Et bien, il m'a fait penser à New York. Hein. Et puis la frappe enroulée, je ne sais plus qui c'est qui tire cette frappe enroulée, qui va en lucarne et qui va encore la sortir. Mais bon, après, sinon, les deux autres buts, il est quand même un peu abandonné par sa défense, donc bien sûr, sinon, c'est évidemment un bon match de sa part. Ok, ensuite on passe à la défense, hein, voilà, qui a été catastrophique, fantomatique ce soir. On va commencer avec le défenseur gauche, Alexandro, qui est pressenti du côté du PSG. Et ce soir, ça sera une note de 4. Hein. Bon, déjà, ça sera lui qui aura la meilleure note parmi les autres défenseurs. Hein. Bon, 4 pour Alexandro. Bon, pour moi, c'est insuffisant. Voilà, normalement, c'est un piston. Ce soir, hein, il a vraiment resté en défense. Bon, après, il est obligé de canaliser, on peut dire, hein, ses petits attaquants de l'Ajax hein, qui l'ont fait
peut dire beaucoup de soucis hein, ce soir. Donc pour moi 4, hein, match oublié quand même pour le défenseur gauche hein, brésilien. Ouais, moi aussi, comme tu as dit, pour moi c'est le meilleur sur la ligne défensive. Ouais. Et pourtant je ne lui mets pas plus haut que cette note de 5 parce que c'est quand même très très moyen pour, pour Alexandro. Mais bon, les autres à côté c'est encore pire. Ok, ensuite on passe dans la charnière. On va commencer avec Bonucci. Donc déjà il manquait un sacré joueur, c'est Chiellini hein, qui était blessé les gars. Il a déjà loupé le match aller, il a loupé ce match retour, il a beaucoup manqué hein, pour cette équipe. C'est vraiment l'âme hein, pour moi de cette défense de la Juventus. C'est vraiment aguerri. Tu te souviens quand tu sais, il avait le pansement sur, sur la tête. Mais lui, vraiment, il envoie tout. Alors que Bonucci, ce soir, ça a été très, très décevant. Pour moi, déjà, c'est trois mauvais matchs hein, de sa part. Hein. Donc, il était en retard beaucoup de fois, Bonucci. Beaucoup d'occasions des joueurs de l'Ajax. Il n'a pas réussi à dégager, tout simplement, à faire des interceptions. Donc pour moi, 3, pas plus. Hein, et c'est vraiment une belle note hein, pour lui, parce que ça aurait pu mériter encore moins. Tu as tout résumé. Franchement, ça ne mérite pas plus que 3, parce que il a été très en retard et aucune interception. Il n'a jamais pu relancer proprement son équipe. Donc c'était assez décevant pour celui qui devait être quand même le patron en l'absence exactement. De Chiellini. Ensuite, Rugani juste à côté. Donc lui, hein, c'est tout simplement le remplaçant de Chiellini. Ça a été très décevant. Hein. Pour moi, ça sera 2 hein, pour lui. Hein. Je sais que l'année dernière, il y a du Benatia qui ne jouait pas hein, du côté de la Juventus. Lui, il a préféré partir vu qu'il n'avait pas tant de jeu. Mais on peut voir qu'un jeu sur le défenseur marocain avait fait beaucoup de bien à cette équipe de la Juve. Donc du coup, ils ont dû prendre Rugani hein, là, qui joue quand il y a des blessés. Il a joué ce soir et pour lui, la Ligue des Champions, il n'est pas au niveau. Hein. Pourtant, c'est l'Ajax en face, hein, mais bon, l'Ajax a quand même des très bons joueurs. Donc pour moi, 2 très mauvais matchs hein, de Rugani, encore pire hein, que Bonucci pour moi. Ouais, je suis d'accord, encore une fois, le 2, il est aussi certainement même coupable sur le deuxième but où ils sont complètement à l'arrêt sur le corner. Et puis, il y a eu même des choses assez incroyables quand même. Donc c'était très mauvais. Ensuite, Desseglio, hein, donc lui aussi, 2 pour moi, un très mauvais match, très mauvais match pour lui. Donc déjà, sur le premier but, coupable. Hein, coupable, parce que tout simplement, tout le monde pensait qu'il allait revenir. Il met du temps, t'es en Ligue des Champions, t'es payé pour faire ça, t'es en quart de finale, il faut tout envoyer, puis je sais pas, il revient en trottinant, ça a coûté hein, déjà un but pour l'Ajax, ça les a relancés, on peut dire, dans ce match, parce que Ronaldo avait déjà ouvert ce score, donc pour moi 2, hein. Et en plus, il est sorti, je crois, quasiment la mi-temps, rapidement. Ouais, parce qu'Allegri, il a dit, il est hors sujet, et il a mis Cancelo, hein. Bon, c'était aussi très compliqué pour le défenseur, pour moi 2, pas plus. Hein. Oui, pareil, moi aussi, c'est un très mauvais match de sa part, 2. Ensuite, on va passer au milieu de terrain. Eux aussi, ils ont eu beaucoup de mal à exister. Hein, donc, on va commencer avec Emre Can, qui était juste en sentinelle. Hein. Donc, pour moi, ça sera 3 pour le milieu allemand. Donc, 3, c'est mauvais match hein, de sa part. Il a été tout simplement dominé hein, par ses milieux de l'Ajax, qui était tout simplement meilleur que lui. Donc, 3 pas plus pour lui. Ouais, moi aussi, 3. Hein, franchement, il y a eu souvent des redoublements de passes. Alors, il était peut-être un peu seul, mais franchement, il était vraiment perdu au milieu de terrain, Emre Can. Et en plus de ça, très, très nerveux. Donc, c'était vraiment, encore une fois, un mauvais match. Ensuite, Matuidi, Pjanic, qu'on va mettre dans le même panier. Hein, donc, qu'est-ce que tu en as pensé de leur prestation rapidement ce soir? Les deux ont été bien mieux. C'est relatif, hein, mais mieux que Emre Can. Les deux vont avoir les mêmes notes parce qu'ils ont quand même beaucoup bataillé sur le plan défensif. Après, franchement, offensivement, c'est quasiment inexistant. Donc, c'est un peu dur pour la Juve, hein, comme on l'a dit, d'avoir des occasions quand tous tes milieux de terrain ne pensent qu'à défendre. Mais ils étaient aussi surtout acculés. Donc, les deux ont 4 points. La même chose, 4. Hein, donc, Matuidi a beaucoup couru hein, ce soir, il faut avouer, parce que avec les petites passes, hein, c'était vraiment très compliqué. Pjanic qui doit porter, on peut dire, offensivement, il était à l'ouest tout simplement. Donc, pour moi, 4 hein, pour les deux. Milieu. Ensuite, en attaquant droit, Bernard Deschi. Qu'est-ce qu'on a pensé de sa prestation ce soir? Assez décevant, hein, Bernard Deschi. Normalement, on le voit beaucoup plus à l'aise techniquement et surtout il est capable de conserver les ballons et surtout de ne pas les perdre lorsqu'il les donne. Et aujourd'hui, beaucoup de pertes de balles, notamment des transmissions qui n'arrivent tout simplement pas dans les pieds en général de Cristiano par exemple ou de Dybala en première période. Ça n'arrivait pas à destination, donc c'était assez décevant de sa part. Je lui donne 3. La même chose, hein, 3, il était vraiment absent. Je me souviens de son match contre l'Atlético, il avait vraiment été très bon. Ouais. Mais ce soir, il n'était pas là. Hein. L'attaquant. Ensuite, Paulo Dybala, donc note très basse. Hein, j'ai mis 2 très mauvais matchs hein, de Dybala qui est sorti à la mi-temps, remplacé par Moiskin. Hein.
Donc pour moi, deux Dybala inexistants. Et on sait que la Juventus veut le vendre, donc ça sent pas bon quand même pour l'attaquant argentin. Je suis d'accord, en plus c'était lui le capitaine quand même, donc il devait essayer de montrer un autre visage aujourd'hui, mais non, il a été vraiment inexistant sur la première période. Ensuite, Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'on a pensé ce soir, hein, l'unique buteur hein, de la rencontre côté, bien sûr, Juventus. Pour moi, ça sera un 5, parce que bon, il est quand même l'unique buteur, et on a bien vu que c'était quand même lui en général qui essayait. De tout faire parce qu'il n'est pas beaucoup aidé hein, quand même. Il a déjà que très très peu de bons ballons et après c'est compliqué, mais voilà, même dans un match très compliqué comme ça a été le cas aujourd'hui, il a réussi quand même à marquer ce but. Après bon, c'était très compliqué parce qu'il n'a pas eu une autre opportunité, ouais, le match, il n'a pas eu une autre. Donc franchement, c'est dur quand tu es esselé comme ça sur le front de l'attaque et pourtant il a marqué. C'est vrai que la Juventus, ils jouent tout hein, sur Cristiano Ronaldo. Ils ont tout misé hein, sur le buteur portugais, mais ce soir, il ne peut pas tout faire hein, bien sûr Cristiano Ronaldo. Donc pour moi, 6, hein, c'est quand même la moyenne hein, pour CR7. Donc il a quand même mis ce but, ouais. Mis sur de bonnes voies, on peut dire, l'équipe de la Juventus. Mais après, voilà, c'était trop faible hein, par rapport à cette équipe de l'Ajax. Donc voilà, les gars, les notes hein, de l'Ajax, plutôt de la Juventus. Donc rapidement, on va vraiment noter très rapidement quelques joueurs de l'Ajax qui ont été flamboyants ce soir. Hein. Donc déjà, Ziyech, moi je mets une note de 8. Très bon match hein, de sa part, vraiment avec ses dribbles. Donc lui, je pense que l'année prochaine, il pourra faire vraiment beaucoup de bien à une autre équipe, on peut dire européenne. Qu'est-ce qu'on a pensé? Ouais, je suis d'accord, franchement, très remuant. Il apporte beaucoup offensivement, il crée les décalages, c'est assez incroyable ce genre de joueur, c'est un très bon match. Ensuite, Tadic, hein, c'est à peu près la même chose, hein, ouais. C'est un peu le même style de jeu, vraiment très technique. Hein. Pour moi, ça sera 7 hein, pour l'attaquant serbe qu'on a un peu moins vu le Real Madrid le dernier coup. Et pour finir, on va noter le défenseur de Light hein, qui a été buteur. Donc pour moi, ça sera 8. Hein. C'est lui quand même qui donne la qualification. Voilà, pour l'équipe hein, de l'Ajax Amsterdam. Donc pour moi, 8, un très bon match de sa part. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. Vous mettrez en commentaire ce que vous avez pensé, tout simplement. Et bien sûr, hein, nous, on n'est même pas choqués. Hein, c'est plutôt logique hein, quand même que cette équipe de l'Ajax accède hein, aux demi-finales. Ciao à tous. Ciao.